Et salut à tous, c'est Formule G du 92, membre de la chaîne Fred Chopad Youtubers, qui vous propose une vidéo test et découverte de Michael Schumacher Racing World Kart 2002. Donc pour PS1, PS6, PlayStation 1, dont je joue avec une manette DualShock 3, une manette pour PlayStation 3, avec l'application classique Chrome disponible sur le Google Play Store, dont je peux jouer avec dont je peux jouer avec cette manette. Et donc du coup, ah ouais. Donc voilà, je découvre donc le jeu, voilà. Bon, je vais mettre n'importe quoi là. Ah, je vais tout simplement monter le surnom de mon prénom. Voilà. Option. Casque. Oh, il y a pas mal quand même tant de casque. Attention, oh, celui-là je l'aime bien quand même. Oh, ça me plaît mieux. Prendre ça. Équipement. Ah d'accord, j'avais pas des masses. Temps noir, alors le carte. Bon bah celui-là. Pas trop s'attarder. Ah, donc voilà, vous avez vu, donc voilà, karting. Alors on a plusieurs modes. Alors, on a entraînement, contre-la-montre, compétition, duel. On va faire un petit contre-la-montre. On a plusieurs circuits. On a Mitsuma au Japon, le Comte c'est en France, à Dijon très précisément, et Amsterdam. Alors c'est l'Erasmus Park. Alors ça je le connais un petit peu moins bien. Bon, on va aller en France. Perso, je m'en fous un petit peu. Voilà, on va donc tester ce jeu. Alors, dans une vidéo très courte où je fais qu'un seul aspect. Donc, c'est le jeu de karting, donc un hommage donc au multiple champion du monde de Formule 1, qui est d'autre que Michael Schumacher en personne. Oh putain, ouais. Oh putain. Ça se dévente un petit peu. Et là, là je suis complètement loupé. Donc ouais, donc je disais le jeu donc du multiple champion du monde de Formule 1, 7e champion de Formule 1. A remporté 5 dans les escarcelles avec Ferrari, 2 avec Benetton, 94-95 avec Benetton, de 2000 à 2004 avec la Scuderia Ferrari. Il détient le record en nombre de victoires en Formule 1, 91, plus grand nombre de pole position, il a pratiquement tous les records excepté le nombre de points marqués. Et bien sûr, le plus jeune champion du monde c'est Sébastien Vettel. Et le plus vieux champion du monde, alors ça reste toujours Juan Manuel Fangio, là autant je vous le dise. Dans un petit let's play. Alors là je vous rassure, les jeux de karting j'en fais pas souvent. Oh putain, Oh là là, putain. Ça tourne à une vitesse. Wow, là. J'ai failli me remanger le mur à nouveau. Comme je vous dis, moi, les jeux de karting, j'en fais pas souvent. Hein. Surtout des vrais. Enfin, le seul jeu de karting que je fais pratiquement, c'est Mario Kart. Je sais qu'il y en a un, pareil, qu'ils ont fait pour Nintendo, avec Ayrton Senna, sauf. Donc voilà, on va donc pas s'attarder là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, chers viewers, chers abonnés, dans ces petits tours de circuit du jeu Michael Schumacher Racing World 2002. Voilà, je ne compte pas faire une série là-dessus. Ça, je tiens bien à vous le dire. Alors donc, parmi les vidéos, alors donc, on va un petit peu parler de la course 6, la sixième manche de mon championnat de France de GT et prototype qui s'est terminé dès aujourd'hui. Et donc on était seulement 2 concurrents, et donc je tiens pas à faire un débrief pour une course où on était seulement 2 concurrents du début à la fin. Donc autant je vous le dise. Donc voilà, j'ai réussi, j'ai fini par m'imposer au sein de la série, et je suis donc assuré de rester premier de la série championnat de France de GT et prototype au général. Donc voilà, je tenais à vous dire ça en parallèle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout sur Michael Schumacher Racing World Kart 2002, pas Kart Racing World 2002, excusez-moi. Donc portez-vous bien, bonne fin de vacances à vous tous et bonne rentrée scolaire à vous tous pour ceux qui rentrent vers le 1er ou le 2 septembre. Et donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.